après une année universitaire très remplie de concepts théoriques et pratiques dans le domaine de la sécurité et de la sécurité incendie en particulier, voilà que les étudiants du GRESPI sont en contact direct aujourd'hui avec l'incendie puisqu'ils sont accueillis ici sur le site, sur un site du service départemental d'incendie et de secours. Et de manière très pratique, ils vont tout à l'heure aller s'habiller avec leurs équipements de protection individuelle pour ensuite subir ou bénéficier de tout un ensemble de connaissances et de connaissances pratiques de l'incendie. Alors, premier exercice, il va consister en une montée sur cette tour que vous voyez sur notre droite et ils monteront avec un appareil respiratoire isolant, ce qui leur permettra de comprendre notamment les modifications du schéma corporel qui sont liées au port de ce type d'appareil. On vient de faire un petit parcours d'aisance pour se familiariser avec l'appareil respiratoire isolant. C'est une respiration qui n'est pas naturelle, donc il faut réussir à contrôler son débit d'air. Et donc on a en plus le poids de l'appareil sur le dos qui se rajoute et c'est pas du tout naturel pour nous. Après, c'est sympa parce que ça change de la théorie qu'on fait à l'ISTIA et on voit réellement la pratique, et on voit réellement ce que vont faire les équipes sur le terrain lorsqu'on aura à les commander. Quelques minutes ensuite, ils entreront dans un module d'entraînement au port de l'appareil respiratoire isolant, donc quelque chose de très spécifique qui se trouve à l'extrémité, un bâtiment dans lequel se trouvent des cages dans lesquels ils auront à évoluer avec l'appareil respiratoire isolant. Et pour terminer, ils pénétreront également dans cette maison à feu qui possède 10 points de feu différents. Nous allons partir sur un embrasement généralisé de tout le volume en tenant compte de certains paramètres et notamment le principal, l'apport d'air au niveau d'un ouvrant, puisqu'on parle d'un local semi-ouvert. Donc au cours de cette manœuvre-là, on a vu à l'intérieur du local qu'il faisait très chaud. Donc cette chaleur est très dangereuse pour nous et donc une expérience très enrichissante pour nous, futurs chargés sécurité qui pourront être amenés à intervenir sur des feux naissants.